On dit tout le monde, capitaine de radio, tout technicien, Marco et tout l'autre monde. Et un gros bonsoir. Et moi, je suis content. Et après-midi, avant de participer à l'émission. La bande de seulement vous font parler plus fort. Parce que Mounio, il va être content pour l'entendre. Alors. Gary, merci. Ok. Vous avez un débit, salut à tous. Non, non, pas qu'il garde. Bon, pas même rendre compte de ça. Alors, c'est à toi de dire nous. Nous t'en remets pour PIA, vous font résumé objectif sur ça que tu as discuté dans la dernière réunion qui t'est faite. Côté des 22 sénateurs qui sont là, ils disent nous t'es là tout, explique-nous ce qui te passe. Bon, normalement, c'était une réunion qui a faite pour les présidents des commissions. Mais généralement, il y a des rencontres avec les présidents des commissions et tous les sénateurs qui peuvent participer. Et les rencontres ont commencé, ils me disent, ah, moi, je ne suis pas président des commissions, je ne peux pas participer à la réunion. Le président a dit, non, en tant qu'ancien président, c'est normal pour participer à la rencontre-là. Une vérité, vous ne participez pas à la rencontre-là. Mais il y a environ 22 sénateurs qui étaient présents. Il y a plusieurs points dans l'ordre du jour. Là. Mais il y a une question et rapport financier de l'ancien bureau. Là. Mais il y a plusieurs discussions, il y a plusieurs sénateurs qui étaient des points de vue différents. Et la rencontre a été faite. Côté il y a des sénateurs qui attendaient des explications. Mais tu as une feuille qui t'est passée, qui t'est par chaque sénateur, qui t'est par en détail les alinéas qu'il utilisait et qui est au rouge. Et le sénateur t'a demandé explication. Tu as un peu de discussion. Mais ça a étonné moins. Et la rencontre l'a fini. Et le questeur prend tout rapport. Il prend rapport dans chaque sénateur. Puis dans deux mêmes mois, tout rapport, toute page sur les réseaux sociaux. C'est ça qui était étonnant. C'est-à-dire, tout ça qui dit dans la rencontre là. Tout est net de dehors. Tout dehors, et puis m'attendre dans l'émission. Tout ça qui dit dans la rencontre là, et puis m'attendre dans l'émission. Et ça a été vraiment étonnant. Parce que normalement, les rencontres faites surtout avec les présidents des commissions, les sénateurs ont une obligation pour que eux-mêmes ne pas raconter. Ça qui dit dans la rencontre. Là. Et le rapport là, c'était un rapport comptable. C'est un rapport strictement interne. Et ça a étonné, moi, le rapport là sur les réseaux sociaux. Et c'est le sénateur qui a gagné, et c'est le questeur qui a gagné, et qui a ramassé copie rapport là dans chaque sénateur. C'est-à-dire, quelque part, il y a l'hypocrisie. Okay. Il y a l'hypocrisie au niveau du Parlement. Ouais, au niveau du Parlement, au niveau du Sénat. C'est-à-dire, sauf au niveau de la comptabilité, que le rapport a des fuites qui sont faites, ou soit au niveau des sénateurs. C'est-à-dire que si y a un rapport, et son rapport interne, côté des sénateurs, à discuter de ça qui est dans le rapport là, et puis pendant la rencontre là, on dit que le rapport ça n'a pas doué dehors, après la rencontre là, on prend chaque feuille dans le sénateur, et puis dans demain, tout rapport, tout ça, non seulement tout ça qui dit dans la rencontre là, à travers la presse, donc dans le scope, et ensuite, feuille rapport sur les réseaux sociaux. Et moi, je pense que ça, c'est un très mauvais précédent pour le Sénat. Ensuite, Haïti débat. Dans la rencontre qui était faite là, il y a eu des discussions. Mais le président, l'ancien président, collègue, moi-même, j'ai eu des points de vue, j'ai dit, président ou pas gagné assez d'informations pour que vous-même vous êtes capable de défendre le rapport là. Moun qui placé mieux placé pour être capable de défendre rapport là, ces questions là. Normalement vous-même vous contre-signez, moi-même moi j'étais même président de contre-signer les rapports. Exact. Oui. Mais principal moun là c'est questions qui gagnent budget en même, garder dans qui rubrique toutes dépenses qu'a fait. C'est-à-dire, si vous avez une rubrique qui est utilisée à 60, 70, 80%, ce n'est pas vous même président, parce que vous n'avez pas gagné en amont. C'est question qui est responsable de l'administration. C'est le cas dit. Qui... C'est ça. Le président n'a pas gagné un rapport pour dire, bon, est-ce que contre ça, il y a telle rubrique qui est 60, 70% qui est utilisée là-dedans. Le président n'a pas gagné, sauf que depuis, il doit garder les formalités
si règlement comptable strictement Respecté. respecté, et puis il y a couvert. Mais pour aller, pour aller garder dans budget, pour aller garder C'est qui le arrive, question. c'est le question avec toute staff technique, l'administration et comptable, administrateur, c'est eux-mêmes pour qui garder toutes dépenses. Même des clèmes des présidents, et quitter question à nos prochaines rencontres, faire question à venir pour venir bailler des explications parce que vous-même vous pas placé. Mais il y a des discussions, il y a des sénateurs vraiment qui étaient très, très hostiles par rapport à rapport là. Et notamment français. Oui, c'est Oui. un sénateur qui était Ou même très. toute bagarre, notamment français. Non, il va seulement constater qu'il y a d'autres Deux à sénateurs ça, encore oui. qui étaient très hostiles et sous question ça. Mais l'encontre n'a pas fini. Et avec obligation, ces questions pour qu'ils viennent d'autres explications. Concernant les documents, qui s'est dérangé dans la présentation rapport? Ça te dérange ou personnel? Y a un peu de bagage qui dérange, madame. Notamment, question, il y a des rubriques qui sont utilisées, 70 à 80%. Par exemple, fourniture de bureau, c'est des rubriques qui sont utilisées, par exemple, HSO. Et nous estimons que de octobre à janvier, nous n'avons pas gagné assez de séances et puis pour tout le montant, ça a utilisé. Qui m'entend parler? Et est supplémentaire. Et d'autres rubriques encore, nous n'avons pas gagné de séances. Oui, ben, ouais. Nous n'avons pas gagné de séances L'ordi dans le mois. est heure supplémentaire, ça veut dire, bon, comme vous prévoyez pour le gain heure supplémentaire pour le bail, et puis qu'on y a là, vous gardez où est les dépenses et pas de gain en pile séance. Ouais, bah, normalement, il y a d'autres encore, mais en gros, c'est ça m'a retenu. Et m'estimer qu'il y a des bagages qui étaient capables de demander des explications. C'est des explications, question de gâteau, pour nous des explications. Mais malheureusement, en rencontre là, il n'est pas présent. Pour être capable de nous des explications. Peut-être qu'il est capable de des moyens pour justifier ça qui fait. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de justification. Yeah, exactement. D'accord. Pas de justification. On continue. Discussion sur question génératrice. Ça passe d'elle quoi? Ça passe. Sans qu'on ait, même puisque vous êtes président. Normalement, et le moment où j'étais président, en juillet, j'étais vice-président. J'étais des génératrices qui t'achetaient. Et c'est une raison que j'étais voulu participer à l'émission. Dans le bâtiment que le Sénat a construit dans 10 départements géographiques pays, pour le Sénat de la République, il y a trois dans le contrat qui étaient signés par le président Dera. OK. C'est bien 7 qui sont signés par le président Richer. Gen NIP, gen Sud, gen Plateau Central, ki signé par le président Dera. E gen 7 ki vin signé par Richer, le livin président. Le bâtiment sa ou vin fini, 3 sa ou, Sud, NIP, Plateau Central, gen 3 génératrices ki t'achete dans un premier temps. Richer, président Richer, à cette époque ki te président, li di, Grandans presque fini, faut acheter pour Grandans. De faire commande 4 génératrices OK. de 45 kW. 45 kW. Le pour est payé, tu as un problème de pas qui pas bien imputation. Il retourne l'envie président, c'est moi-même qui viens signer Ah, OK. Document ça. document ça. Pour vous y aller, pour capable Acheter chez acheter une attention. Effectivement, là que GND dit génératrice au prêt. Nous vous demandons, nous vous dit, est-ce que le bâtiment ça au prêt? Nous avons vu yon dans le sud, yon dans le plateau central, yon dans NIP. Et puis yon dans Grandas. Là, vous voyez aller venir des problèmes cyclone, macho. Et ensuite, le bâtiment n'est pas préparé assez. Dans le sud, là, vous voyez génératrice là, mairie, Gabriel Fortuné dit. Gabriel Fortuné, mettez mes riens dans le bâtiment parlement. Exact. On dit, ah, si vous mettez mes riens dans le bâtiment parlement, nous n'avons pas de raison pour nous voir une génératrice. Mais j'ai dit ça là. Il n'a été dans mes compagnies, dans mes compagnies. Dans mes GNS. GNS. Et entre-temps, 4 génératrices, là, vous payez 4 génératrices, 4 inverteurs, 12 batteries pour chaque. Exact. Pour chaque, c'est-à-dire chaque bâtiment, ça va bien 12 batteries. Vous payez.
payer environ 6 millions de gouttes par Je Kedja. n'ai pas rappelé dans l'explication que je me débat. Je dit que j'ai une génératrice, j'ai un inverteur et j'ai une batterie. Et Kester Ricard dit il n'a jamais entendu parler de ça du tout, de inverteur et de batterie. Contrairement à ça, il dit que génératrice seulement que tu connais. Je continue, président. Entre temps, et de génératrice a toujours été dans mes compagnies. En janvier, je ne suis pas président encore. Voilà. Mal. Génératrice a toujours été dans mes compagnies. Ok. Et puis, je ne suis rien, absolument rien, immédiatement, je ne suis pas président. Il n'y a aucune responsabilité, sauf que dans le rapport, dans le document qui était, il y a quatre génératrices qui n'ont même GNS. Pour que qui c'est General Engineering Service and Supply. Pour le compte du Parlement, il y a quatre génératrices. Chaque génératrice a 12 batteries. Entre-temps, quatre génératrices ont payé quatre génératrices, quatre inverteurs, 12 batteries pour chaque. Exact. Pour chaque, c'est-à-dire chaque bâtiment, ça a 12 batteries. Qui ont payé? Environ 6 millions de gouttes. N'a pas rappelé dans l'explication que je me débat. Je dit que j'ai une génératrice, j'ai un inverteur et j'ai une batterie. Et Kester Ricard dit il n'a pas jamais entendu parler de ça du tout, de inverteur et de batterie. Contrairement à ça, il dit que génératrice seulement que tu connais. Je continue, président. Entre temps, et de génératrice a toujours été dans mes compagnies. En janvier, je ne suis pas président encore. Voilà. Mal. Génératrice a toujours été dans mes compagnies. Ok. Et puis, je ne suis rien, absolument rien, immédiatement, je ne suis pas président. Je n'ai aucune responsabilité, sauf que dans le rapport, dans le document qui était, il y a quatre génératrices qui n'ont même GNS. Qui c'est General Engineering Service and Supply. Pour le compte du Parlement, il y a quatre génératrices. Chaque génératrice a 12 batteries, il y a un inverteur pour accompagner. Dans chaque bâtiment, il y a un qui a parlé dans le sud, il y a un dans le plateau central, il y a un pour Grandas. Pour quatre bâtiments, il y a un qui est supposé opérationnel pour le compte du Sénat de la République. D'accord. Entre-temps, je profite de l'occasion pour informer la population suite à des enquêtes menées. Je vais vous lire une lettre de General Engineering Service, lettre de M. Ricard Pierre, questeur du bureau du Sénat de la République, datée du 29 décembre 2017. Scoop! Honorable sénateur, la direction de General Engineering Service, GNS, vous présente ses compliments et vous accuse réception de la lettre de demande de livraison des quatre génératrices payées en 2016, datée du 27 décembre 2017, et référence SRH QRP 503670. Scoop! Nous sommes heureux de vous informer que suivant vos instructions, la première livraison au local de la rue Capois a déjà été effectuée et que les trois autres le seront d'ici la fin de la journée. Une copie de la feuille de livraison est jointe à la présente. Tout en vous remerciant de votre confiance, la direction générale de GNS vous renouvelle sa disponibilité et vous prie d'agréer l'expression de ses meilleurs sentiments. Hervé Lamotte, ingénieur, directeur général. Maintenant, concernant la feuille de livraison, Sénat de la République, référence, lettre de demande de livraison du questeur, rue Capois, numéro 143, Port-au-Prince, Haïti. Quantité, description. FG Wilson générateur P40-3S 45 kVA et 45 kW. Série FGW PEP 38H JSB OL 647 modèle 40-3S. Date 28 décembre 2017. Signature, la personne qui avait reçu la génératrice
c'est Pierre Missial. Haïti débat. Je demande au commissaire du gouvernement de prendre acte et de trouver Pierre Missial pour poser des questions à Pierre Missial parce que la génératrice a été détournée. Qui s'accrive qui fait gain autant de dépenses qui fait dans le budget ça selon vous-même? Parce qu'en fait, au-delà de sa moune pensée sous question accusation, ouais, comme j'en parlais à Marco tout à l'heure, Ricard est un naïf, ce n'est pas un grand voleur, c'est un homme comme si, description difficile parce que on n'est pas qu'à à fond bail comme ça, et puis pour écrire lettre, pour dire déposer le tel côté pour dire déposer l'autre côté pour et pour quitter tout papier là, pour tout mon Noël, vous comprenez? C'est bon bagage qui passait. Est-ce que bon, vous connaissez l'offre en pile bagage, un bagage qui glissait. Alors, président, dis-moi. Bon, normalement. Qui s'accrive les toutes dépenses à vous faites? Et... parce que tu es président déjà ou même? Est-ce que c'est même bagage où tu es fait? En septembre 2016, les m'a fermé et exercice 2015-2016. Hein? Moi, fermé exercice là, moi, retourné dans le ministère des Finances plus de 124 millions de gourdes. Et c'est pour la première fois ça fait dans le Sénat. Moi, retourné, moi, fermé exercice là avec 124 millions de gourdes. Et dans l'exercice 2016-2017, là, nous avons un budget. Le budget 2016-2017 là, il était environ 1 milliard 129 millions de gourdes. C'est montant ça nous avons gagné dans le budget 2016-2017 là. Et nous avons dépensé environ 22% là-dedans. 22% dans 3 mois. Et c'est ça que nous avons dépensé. 22%? 22%. Nous dépensé environ 259 millions. Et nous quittons 869 millions et quelques gouttes. Ça, c'est le document du ministère des Finances. Et alors que l'ancien bureau de Téguin, il y a eu la tortue avec Ricard, il y a parlé de 38%. Non, même le document. 22%. Nous dépensons 259 millions de gouttes. Non, il n'est pas pour là. Nous l'avons parlé, Marco dit. C'est l'administration qui s'est passée là. Oui, non, non, non. Ils ont même dit, au contraire, pas eux qui étaient là à 25%. Non, nous dépensons. Ils ont dit ça que tu es avant eux, tu es à 38%. Et la première fois, ils sont à 25%. Non, 22%. Ça, vous t'a expliqué eux-mêmes. Le document là, document ministère des Finances, nous dépensons 22%. 22% qui dépensent. Malgré nous faire un pile, nous achetons par exemple un président ou un acheté une génératrice, nous avons acheté environ 12 machines. 12 machines pour les Oricains, pour les sénateurs qui étaient rentrés. Et nous avons fait autre dépense. Mais nous avons limité des dépenses que nous avons fait. Par exemple, nous avons plus axé sur des pivots et autres. Mais nous n'avons pas essayé de faire des grandes dépenses. Par exemple, l'aide de budget de 1 milliard et quelques gouttes, je dis à l'année exercice 2017-2018, nous passons à 2 milliards. On va comprendre qui problème qui gagne dans le budget de fonctionnement. Si ça fait un pile, mon budget, ça a pris l'amour. Ça, nous-mêmes comme sénateurs, et c'est ça fait moi-même, dans votre budget, moi j'ai demandé pour que nous-mêmes nous fait des modifications dans le budget. Parce que nous, dans le Sénat, alors le Parlement en général, nous avons un budget passé de 100%. C'est nous-mêmes pour qui dévoyer ce signal là. Pendant que nous avons des modifications, il y a trop de comptes dans le budget de fonctionnement. Il faut nous conscients que au niveau du Parlement, au niveau du Sénat de la République, il y a trop de comptes qui arrivent dans le budget. Non, mais Jean-Abdi là, est-ce que ça arrivait comme si, et comme parlementaire, puisque comme ça, vous rentrez dans des rubriques, vous dites qu'il y a fait patronal, qu'il y a fin d'année, qu'il y a rentré dans la classe. Est-ce que malgré les doublés, ou même comme sénateur, là, vous venez dans le département, ou qu'il y a suffisamment pour Baymoun? Ou est-ce que ça arrivait que vous même qu'il y a excédent, tellement qu'il y a comme si pour Baymoun? Non, au contraire, demande que la population a fait, c'est un bagage extraordinaire. Le fait que, parce que jusqu'à présent, il y a des sénateurs qui comptent pratiquement. Que y a bay cob sénateur cob et toute la population entend y a bay sénateur cob, c'est normal pour gouvernement de là, mais ou bay li cash? Non, et 29 millions di bay cash. Ça c'est un cas exceptionnel qui t'est passé par rapport à un budget de gain li pou côté posté te gon problème qui t'est posé. Ça t'est arrivé, on pas connait qui modalité question t'est utilisé, on pas rentrer dans ça, mais généralement c'est chèque qui fait sous non sénateur exactement. Mais tout à l'heure, et comme nous dans des années côté nous gagnons une commission spéciale qui en bas qui travaille sous
Petro-Caribe, corruption dans Petro-Caribe, commission éthique. Est-ce que ça va venir comme si 29 sénateurs, ça va venir dans la tête nous, bon, sauf Patrice Dumont. Non. Est-ce que ça va venir dans la tête nous comme si les comme la vin liquide en bas, pour nous dire que, une fois que le grand public au courant, il a dit nous dans la corruption, parce qu'il y a un comme cash qui vient dans le Parlement. Ça dépend que, ça dépend. Comme chaque l'an quatre, vous faites son nom seul, on est pour changer. Ça dépend des modalités que Kessler a utilisées pour dire que c'est là. On doit estimer au lieu qu'il fait 29 chèques, il font seul chèque. Ça, c'est lui-même qui était capable d'explication, mais pas d'un côté qu'il n'y a pas de bon monde ou pas à ton côté ou pour 29 millions de cash dans la fonction publique. Bah, quoi, c'est ça lié. C'est-à-dire, c'est ça qui arrive, son chèque qu'il fait, son nom en seul monde. Il fait son nom en seul monde, maintenant, aller et lui-même lui. Ça dépend. Il fait transaction dans la banque là, il vient en bas avec elle. Non, je ne sais pas quelle modalité que Kester a utilisé. Non, non mais est-ce que je viens nous-mêmes? Qui est-ce que c'est qui, mon cobre liquide qui est en bas? Normalement, nous ne pouvons pas recevoir un cobre liquide au Sénat. Tout ça qu'a fait, c'est chèque. MDM sort de ça, ça son cas exceptionnel. Et c'est pour la première fois que ça a été fait que tu as un cobre liquide. Ok, pour la première fois, le sénateur était recevoir voit comme liquide. Et il était clair, il était maintenant qu'il y a une boîte fait. Ok, mais Patrice Dumont lui-même, monsieur, il a été plus éclairage, monsieur dit, va pas comme ça. Monsieur va prendre. Donc c'est le nec qui va prendre. Et monsieur dit, ouais, que quatre sénateurs qui sont en opposition, Cap Goumen, Souba et Petro-Caribea, ils ne pas comme ça tout. Bon, même je me demande quelques bagages, comment c'est président, puisque ils accusent en pile. Parce que Rika t'a parlé là, bon, m'a dit Yuri la tortue, mais Rika t'a expliqué que tu as des problèmes en dans budget par là, pendant l'année par là, pendant l'année de président. Donc, l'el t'a demandé pour poser problème à eux, sénateur pas d'accord pour poser problème à eux. Non, bon, je ne connais pas qui problème, sauf que dans le budget par là, nous avons un budget de 1 milliard 129 millions de gouttes. C'est-à-dire que c'est un budget qui était un gros budget, c'est pas un gros cop qui était. Qui te gagne dans le budget et nous te dépensé, nous te utilisé environ 22% là-dedans pendant 3 mois. Nous te supposé utiliser 3/12, nous utiliser 2.8. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous te rété dans les limites presque par la loi. Nous pas utiliser et nous pas utiliser et 3/12 que nous-mêmes nous te supposé utiliser. Et si toutefois, budget au vin gagne 2017-2018 qui est environ 10 milliards, capable la différence, nous de 100%. Mais et par contre dès qu'il est capable d'accuser et dit que il était un problème avec budget parce que nous-mêmes nous venons venir au budget. Nous venons venir au budget et budget qui nous-mêmes nous t'ai gagné. Nous venons nous n'aller tout nous quitter une. Non. Budget que nous-mêmes nous t'ai quitté pour y avoir son budget que l'ensemble des sénateurs étaient d'accord. Et là nous t'ai discuté avec le ministère des Finances pour t'être capable ban nous tout scope dans budget pour t'être capable sensiblement augmenter t'ai un problème de liquidité. Et nous t'es obligé de rester dans les limites. Pas oublier budget nous gagne 2015-2016, 2016-2017 parce que même comme nous t'es gagné dans le budget, nous pas gagné dans l'augmentation substantielle qui était faite par rapport à budget qui était et budget précédent. Budget 2016-2017 là était environ 1 milliard de gouttes. C'est-à-dire nous utiliser 22% là-dedans. Moi regardez, ça c'est un document ministère des Finances. Ministère des Finances, nous dépensons environ 22% là-dedans, 259 millions, nous quittons 869 millions. Ok. Mais maintenant, comme ancien président, est-ce que le président n'a pas de décharge tout? Oui. Président de décharge, ça veut dire que c'est quand même c'est comptable, l'unité publique, c'est un ordonnateur, même avec Kester. Oui. Bon, l'arrivée dans l'année que vous êtes président, sous président privé là, et tu as une construction qui t'a fait construction pour bureau pour sénateur dans le département. Et gros scandale qui pétait là, non, et pas sur lui, il était là avant. Nous sortons de ça. Nous, pendant le président, nous pas rendre aucun contrat. Contrat, il y a 3 contrats qui signent sous président, il y a 7 qui signent sous président. C'est-à-dire, nous-mêmes, l'administration, nous pas gagné. Aucun contrat annoncé avec aucune compagnie. Au contraire, là où, pendant le président plusieurs vins côté pour payer, on me dit même pas qu'on a rien à faire, ça va pas impliquer. Mais est-ce qu'on va t'obliger là dans tout parce que non, dans le cadre de la continuité d'État, on demande au rapport. Au contraire, là où, pendant le président plusieurs vins côté pour payer, on me dit même pas qu'on a rien à faire, ça va pas impliquer. Mais est-ce qu'on va t'obliger là dans tout parce que non, dans le cadre de la continuité d'État, on demande au rapport. Nous demandons au rapport d'avancement état physique. Parce que pas bien gain trois temps fini. Sud, Nip, Plateau central.
gen toi te gen tan fini et c'est vrai que c'est ça que nous nous acheter génératrice pour ta mettre avec batterie inverter pour te mettre dans bâtiment. Ça va dans la fête? Oui. Ah bon. Et ça fait nous demander nous te acheter bah matériel ça pour te mettre dans. Or par exemple, me songer pour la grandance qui n'a tout vinn côté plusieurs fois il dit que il a besoin avancer, il dit faut pour ton rapport détaillé. Faut pour ton rapport détaillé pour nous garder dans budget d'investissement pour nous garder que ça n'a fait pendant toute période ça pas côté rapport bon nous pas faire aucun bon mon question. Cher comme on habitue au parlement pose une question ça nous pas faire aucun décaissement pour finir c'est-à-dire 10 contrats signés c'est pas soit administration non OK soit administration avant oui nous finirons là moi même moi j'ai droit de signer tu pas oublier élu président 20 juillet pendant tout temps ça comme vice-président pas tient signer aucun document. Oui, c'est un problème vraiment pour te mettre en président. Pour te mettre en président. C'est-à-dire, même si je commence à signer un document Zena à partir du 1er août jusqu'à 9 janvier. Ok. C'est environ 5 mois. Mais qui vont comprendre pendant que tout problème ça dans le Sénat? Contrat à bail, contrat pas exécuté. On va parler de 10 contrats là. Alors que tout question ça, tout président ça, je ne décharge sans problème. Pendant que le problème ça, et contrat et pas travail public qui bail qui prend yo et pas planification et pas ministère finance c'est Sénat qui vient avec des films li bail des films des contrats contrat pas exécuté bail pas fait l'argent gaspillé mais et tout nèg jeune décharge sans problème qui on comprend ça non pour les contrats je pense que c'est pour la première fois ça fait dans l'histoire Sénat pour la construction de bâtiments dans les villes de province. Et nous-mêmes, nous venons de là et nous estimons que c'est une très bonne chose. Pour que nous-mêmes nous logions et construisions des bâtiments dans la ville de province pour le compte du Sénat de la République. Mais pourquoi c'est pour qui ça va gouvernement construire? Il fait partie des budgets d'investissement que le Sénat a gagné. Est-ce qu'on peut trouver ça un amalgame là-dedans? Parce que vous comprenez ça, ma bêtise. Est-ce qu'il va avoir un amalgame là-dedans? Est-ce qu'il va gouvernement pour qui tu as. Parce que c'est un bâtiment public. Un bâtiment public. Est-ce que le gouvernement peut construire pour le Sénat? Comme si le Sénat a un propre budget d'investissement pour construire. Ça, construit. Je suis capable de discuter avec les présidents qui te connaissent en tant que parc exécutif dans le cadre de construction du bâtiment. Regardez, nous-mêmes, nous venons jouer un bâtiment. Même les sénateurs, nous venons jouer trois qui finissent, il y a 7 contrats. Regardez, moi-même, je ne suis pas capable de avec. Pouvoir exécutif ça pour te rentrer dans la logique ça. Mais et maman elle pose une question. Nous dans des gamins dit avant donc on a le balai la caille il faut qu'on balai dans la caille pour avant. Et gon pile gouvernement passé qui t'ai l'argent dans mais qui t'ai des constructions des bagages pour défendre dans pays l'argent passé ou pas fait. Je dis à gon gros rapport devant parlement que nous même nous pas le plancher sur lui que c'est des sénateurs. Ouais, le rapport sur Petro Caribé. Pendant que dans le même Sénat, ça a gagné l'argent qui dépensait pour construire des bagailles, l'argent passé même là avec l'autre nègre. Est-ce qu'on sent comme si nous avons légitimité pour nous juger Belle-Rive, juger la mode, bon juger tout l'autre nègre, alors que l'argent passé dans. Non, bon Mexico. Il y a 3 bâtiments qui finissent. Il y a 7 autres qui peuvent finir. Et la majorité dans le rapport que moi-même je viens dans le Sénat, il y a décaissé, c'est 30% qui décaissé, il y a 40%, il y a 60%. C'est-à-dire, pas de gens dans la construction ça qui ont fini de payer, qui pas fini. Ils fini payer et puis qui pas fini. Il y a 3 qui finit qui ont fini de payer. Et il y a 7 qui ont fini, qui sénat tout pour payer. C'est très important. Ça extrêmement important, c'est pas des gens qui ont payé l'argent. Et puis, ils au fond construction, et puis, ils finissent pour un cobla, et puis, ils pas fait. Non. Contrairement à ça que vous parlez. Vous avez dit que vous avez dit dans le sud, Gabriel Fortuné est occupé. Oui. Qui ça que M. Doua mette mairie à la donne? Non, c'est en tête avec les 3 sénateurs. Alors, 2 sénateurs étaient d'accord à cette époque, Carlos Lebon n'est pas d'accord, et Gabriel Fortuné était écrit à cette époque, comme des présidents, il dit que, compte tenu des problèmes qui viennent, et est-ce que 2 sénateurs et sud sont d'accord, Hervé Foucault, avec Salomon, nous d'accord pour que eux-mêmes momentanément nous loger mairie là-dedans en attendant que construction mairie en fait. C'était en tant que bien avec le toi et alors Carlos si même était quand il a perdu toute sa solution. Carlos n'est pas président avec Foucault, nous d'accord pour que mairie en loger dans le bâtiment. Sous question Rica avec Génératrice, qui n'a pas fait ça? Non, bon, parce que
c'est bureau qui a traité question ça, c'est administratif. C'est génératrice ça. Et ça dépend. Et puis quand c'est quelque chose capable de se question ça. Bon, même pas même beaucoup avant c'est génératrice statale dans le cap. C'est dans la dans des histoires dans le cap. Monsieur dit il prend. Non, m'pas connaît ce qui base. Il dit il prend parce que et c'est 6 départements. Il y a 4 génératrices, du Sénèque Sud-Est, du Brassard pour Sud-Est. Non, je ne sais pas. Sauf que nous avons acheté 4 génératrices avec 48 batteries, 4 inverteurs pour 4 départements. En attendant, 4 départements d'attente, il y a 3 qui étaient finis et le sénateur Richer, comme sénateur de la Gandance, il fait commandant pour la Gandance. Mais nous savons que nous étions l'autre. 6 départements. 6 départements, mais nous batterions avec Inverter, ils ont été dans la compagnie. Non, puisque... président, je n'ai aucune explication sur ce sujet. Sauf que moi, je prends responsabilité, moi, je paye et nous te quitté comme compagnie pour côté. Nous, pour côté prêt pour voter pour eux, nous te quitté dans la compagnie et avant d'aller, nous te quitté document qui dit mais génération dans GNS, Inverter, batterie. Il faut que nous disions, et Marco, et pour budget, gon loi sur application, élaboration, budget, et gon principe là-dedans, c'est un douzième nan. Maintenant, d'après le président de l'Assemblée nationale, là, Joseph Lambert, qui t'a essayé de faire une explication sur le principe un douzième nan. Ça veut dire, chaque mois, tu as supposé gagner un douzième de budget qui dépensait, qui utilisait. Mais, l'en a regardé, même sénateur Lambert a dit tout qu'il y a des rubriques qui utilisent à 99,70%. Mais monsieur, nous pas besoin de questions pour venir expliquer, c'est illégal. Non, bon Mexico. Il y a des rubriques qui sont capables d'utiliser, par exemple, Boni. Boni. C'est dans l'exercice là, en décembre, vous l'utilisez à 100%. Parce que Boni, que sénateur ou soit employeur gagne, c'est dans l'autre budget à le bénéficier. La budget est à 100%. Et l'autre rubrique. Par exemple, soit pas acheter véhicule. Mais ou pas dit c'est un douzième à utiliser pour acheter un véhicule là. Non, nous parlons de un douzième de montant. Et pour ça, non, ça dépend des rubriques. Non, on parle de problème de planification là. Non, on parle des rubriques. Non, absolument. C'est dans quel moment on va utiliser rubrique là. Non, par exemple, si bon exemple de boni en décembre quand même qu'on va payer tout emploi et boni, on va utiliser en décembre à 99%. Il a toujours pas allé ça veut dire rubrique ça il doit finir à 99 ou à 100%. Non, normalement c'est l'utiliser soit acheter véhicule toi on va cadimiser un 12e chaque mois on va acheter un véhicule soit pour acheter 5 6 7 000 véhicules pour le Sénat de la République. C'est normal tout rubrique là qui dans matériel roulant l'a utilisé et qui ça n'a comme explication pour rubrique qui est les déplacements. Non, qu'on y a là. C'est moun qui utilise là qui a une bonne explication. Non, en tant qu'ancien président, non, est-ce que vous pensez qu'il a utilisé à hauteur que vous gagnez comme information? Non, par exemple moi-même, et nous pas utiliser comme ça. Nous pas utiliser comme ça. De, au contraire, c'est un budget moi t'a su, budget PAMNA de octobre. Son budget moi exerce son contrôle strict sur lui pour se connaître que une responsabilité. Et pas tout ça ou même comme président qu'est-ce à bord aussi et pas tout ça ou même commander qu'est-ce à bord parce que ou même une responsabilité au partage et c'est ça fait que moi-même moi j'ai pris plus de précautions. Andy, question Boni, tu as utilisé la 100%. Est-ce que vous pensez après 3 mois nous qu'a dépassé 3/12 là? Non, non, ce qu'il a au bail Boni, c'est en décembre même c'est l'utiliser. Non, après total budget, par exemple, ou même après 3 mois, ou te getan nan 22%. Oui. Et administration tout passé à là, selon sénateur Lambert, yon nan 26 et 27%. Bon, normalement. Ou est-ce que sur toute administration, ça a te getan? Non. Te getan boni tout? Oui, yon te getan boni tout. Bon, chaque mois décembre. Son exemple, bon. Non, ça n'a pas justifié 3/12 nan, exemple, bon moyen. Par non, rapport à tout le budget. Non. Un bon exemple avant, on a rubrique qu'on a utilisé à 100%. Mais ça ne veut pas dire pour autant pour utiliser et dans le rubrique pour prendre 70, 80, 90%. On a un cas, son cas.
son exemple bon par exemple deux matériels roulants on doit acheter soit acheter 10 véhicules ou pas qu'à dire chaque mois on va acheter un véhicule là pour 5 ans minimum ou là pour 5 ans minimum si on achète véhicule ou pas qu'à dire l'autre année encore dans le budget on va acheter véhicule ou que l'autre année encore on va acheter véhicule non au moins quand si on achète 10 véhicules 20 véhicules pour le standard de la République qu'on ait ou que 5 ans pour pas qu'à acheter véhicule encore même j'ai tout si on va acheter fourniture par exemple. Non, ou ça dépend d'acheter. Ça dépend de fournitures. Ça dépend des fournitures. Soit acheter papier. Soit acheter papier, mais soit acheter par exemple bureau. Ou acheter bureau. Soit acheter bureau. Bon, il d'acheter. Ou pas acheter bureau chaque année. Non, on va acheter chaque année ou bien chaque mois. Ou pas acheter bureau chaque mois. Ou soit acheter fournitures de bureau. Fournitures de bureau, c'est des bagages. Chaque mois, par exemple, on va utiliser, mais soit acheter matériel de bureau. Matériel de bureau, acheter au moins chaque 3-4 ans. Chaque dépense qui fait, tu es président et sénat, il co-signe. Ça veut dire qu'il connaît exactement montant que disposer, comment ça a dépensé. Non, ça dépend de. Le président ne doit pas garder. Haïti débat. Il ne doit pas garder ce budget à la lettre. C'est questeur qui entre. Ça dépend des rapports de confiance entre le questeur et le président. Non, on a qui objectif, il prévoit pour que le président co-signe s'il ne peut pas garder du tout. Non, pas de l'IPAP garder. Non, de ça dépend des rapports de confiance qui vient entre les deux. On doit dire que d'abord, ou même responsable d'administration, on connaît tout ce qu'on va respecter les normes de la comptabilité publique, que vous voyez une réquisition, c'est normal, on connaît, on va approuver. Par exemple, pour les payrolls. Il dit que c'est approuvé. Non, ça dépend de ça qui est une réquisition. Par exemple, si vous voulez une réquisition pour achat de véhicules, pour matériel de bureau, c'est non pour la regarder. Moi, ça ouvre, l'autre m'ouvre. Non, pas question. On va pas acheter matériel de bureau chaque mois. Faut ça, président, poser question. Non, faut poser question. Gagner un droit qu'un de tout pas comme président, bien prérogatif ça. Moi, je te confie. Gagner prérogatif que bien ouvre réquisition, bon, pas satisfait, quand même. Bah ça. Mais une avantage côté que même on pas de gagner trop c'est notre tabou géré. 22 seulement. Qui en gestion ça fait là, gain 22 sénateurs par exemple, les gain sénateurs pas là. Et budget à prévoir pour 30 sénateurs. Non, budget non, ça dépend. Budget va bon, généralement budget yo te fait là, j'en te un budget son budget qui te et son budget reconduit. C'est comme exemple cadeau là, son budget 15 16 16 17 qui légèrement même montant. Même montant, même là, tu gagnes 10 sénateurs, même tu gagnes 20 sénateurs, et même bagaille, c'est 1 milliard et quelques gouttes. Et au dia, là, nous avons un budget de 2 milliards, plus de 100% d'augmentation. Mais alors, 2 milliards, budget de fonctionnement, c'est-à-dire là, c'est ça fait moi-même qui problème avec le budget. Et très prochainement, on va avoir des sénateurs, 4 pandés, qui sont des sénateurs qu'on connaît. A préparé un document pour des propositions pour dire voilà donc il y a des bagages qui ne sont pas acceptés parce qu'il y a trop de budget de fonctionnement. Parce que pas oublier que nous avons un budget républicain qui a environ 85 milliards de gouttes de fonctionnement. C'est ça fait grand monde dit son budget poche, son budget de fonctionnement. Donc un pays qui a fonctionné et pour 85 milliards de gouttes qui dans le fonctionnement, son budget qui a fonctionné pays moins. On va regarder qui l'hôpital, qui pont, qui route. Qui l'école, qui centre de santé, sa ministère de l'Éducation nationale a construit, combien l'école a construit, combien le centre de santé a construit. Parce que son budget, généralement, c'est 57 milliards de gouttes qui n'ont investissement. Son budget, c'est-à-dire son pays qui est capable de dire qui n'est pas opérationnel, qui n'est pas fonctionnel. Parce que la majorité, comme il y a pris un amour pour payer, il y a pris un amour pour payer, il n'a pas allé dans le fonctionnement. Il n'y a pas pris un amour pour me faire payer, pour payer, je dis bien. Pour me faire citoyen, payer l'argent, moi-même, pour me payer à l'aise. Ça ne se fait pas, non, quelle que soit la société, moun paye taxes pour faire l'hôpital. Moun pa, service. Moun pa paye taxes pour faire un pied à l'aise. Non, mais est-ce que par contre, l'autre problème là, tout, sénateur Lariche, et pendant, on parle des budgets de fonctionnement, et moun gadawa pour l'État, ou pas si à l'aise que ça? Non, non, mais quand il y a la côté l'aller, qui est-ce qui est allé? Est-ce que moi, comme ça, à côté l'aller, 85 milliards de gouttes de fonctionnement, côté l'aller? Moun nan l'état pas à l'aise, il pas payé, fond d'accord que employé l'état ou pas. Oui, ça c'est pas qui dans l'état là depuis le bon job, il va aller, il quitter pas l'état, il va aller à l'état même. Regarde, on va regarder fin d'année ça gagne employé l'état qui pas touché. Fin d'année, on va regarder moun qui te compte bénéficier, tu contrat ou pas bénéficier
et nous nous n'a couru nous gon déficit budgétaire de environ 5 à 7 milliards de dollars quoi de qui nous gagne c'est-à-dire là nous 5 milliards de dollars je crois mais si nous gon déficit budgétaire gon déséquilibre budgétaire c'est-à-dire que les prévisions budgétaires qui ont été faites n'est pas respectées. C'est-à-dire que vous avez des idées, vous avez des bagages qui sont dans le budget qui sont capables de demander pour être capable de considérer. Et c'est une possibilité. Et ça, c'est à travers le budget rectificatif pour porter des corrections nécessaires. Absolument. Mais est-ce qu'une fois qu'il y a parlé d'un déficit budgétaire de 5 milliards de gouttes là, est-ce que nous ne pouvons pas saisir ça à nous-mêmes dans le niveau parlement comme instance de contrôle pour nous connaître ce qui est passé? Oui, nous pensons que c'est ça. Nous pensons qu'il y a des rencontres pour qu'il fait avec le ministre Finance. Et parce que bonjour spécialement, sénateur Gouba, pour des instances, des ministres, des directeurs généraux, pour qu'ils vont des explications. Je vous dis, je crois qu'il y a des ministres qui sont et mercredi de contrôle, je crois que c'est ça. Et c'est une très bonne initiative que le Saint-Bio est là à tout point, parce qu'il m'a dit. Comment si un président, si le ministère des Finances a remarqué, par exemple, un rebout qui est un petit peu avancé par rapport à ça, il n'y a pas de communiquer, est-ce qu'il n'y a pas de signaler ça à nous-mêmes au niveau? Non, l'un doit toujours retourner. On doit toujours faire l'acquisition, il retourne, il va respecter un deuxième. Le ministère des Finances a remarqué tout ça. Mais comment ça a fait arriver et trois mois après, nous sommes 26-27%? Bon, ça, non. C'est pas un problème, n'a pas besoin de là. On doit c'est que vous-même, vous posez des gens, vous posez des problèmes, n'a pas comme ça le poser. On doit toujours utiliser 25%, 27%, mais comment utiliser? Et vous-même, vous êtes à 22%, moins que 25%. Oui, exactement. Alors, moi, à 26-27%, c'est pour expliquer. Sénateur a dit nous-mêmes, nous à 33%. Non, moi, je viens avec document ministère des Finances qui prouve que le budget pas noir, c'est son administration qui était saine, et le budget pas noir était utilisé à 22%. Ce n'est pas 36% et que ça arrive dans la déclaration. Ok, et le président Lambert dit il a mis le rapport Petro-Caribe à Haïti débat. Scoop. Un débat, le 30. Qui y a eu lui-même? Bon, normalement, moi-même, je prends le temps nécessaire pour me garder le rapport Petro-Caribe. Je garde lui. Il y a une force, il y a une faiblesse. Et je pense que dans le débat, parce que m'a fait pour me passer là-bas. Fait pour me passer. Vous avez une conviction sur votre temps? Et il était personnel. Ah, il était personnel. Il était personnel, mais moi, je garde tout rapport à net. Mon département obtenu là. Oui, je garde tout rapport à net. Et mon nom de s'attendre, surtout mon gain radio, mon gain radio Maguana. Je t'ai bien, mais comment on fait ça? Oui, absolument. Et mon radio Maguana. Tout le monde branché. Et son radio qui a une très belle écoute dans la baisse. Vous comprenez? Parce que le jour, vote là, m'a voté bon côté. Où sont sénateurs vérité, non? Plateforme vérité. Plateforme vérité. Ah, mais il faut dire que vous avez oui. Et il y a des qui démissionnent et qui quittent la plateforme là à cause de. Et financement et pour parti politique yo, qui ont raison même. Bon, problème était toujours posé. Et c'est pas qu'on y a problème à poser avec question et participer dans des rencontres avec l'exécutif là, la plateforme vérité. Et il y a des rencontres qui étaient faites ni balai, problème n'était posé. Il y a des gens qui étaient participés dans la rencontre, il y a des gens qui pas participé dans la rencontre là. Et on regarde les conflits qui étaient en Géna, coordonnateur et Changé. Le secrétaire général, qui a des discussions entre les deux. Il y a un local combat, qui a dit l'autre là aller dans le local combat pour faire acte de vandalisme et autres. Et il y a des désaccords préalablement avant même que vous montiez en tête. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour participer dans la rencontre avec l'exécutif. Moi, je dis qu'il faut qu'ils entendent, il faut qu'une solution qui trouve. Et même te parler avec le secrétaire général là me dit que faut qu'il réunir avec tout membre vérité tout cadre tout sénateur député cadre membre parti organisation qui est en parti hein, pour capable joindre une solution parce que nous pas capable de parti. Bon, et comme ça concerne un parti politique qu'on a donne
ça concerne un Sénat ou bon Parlement qu'on la donne, ça concerne un budget qui voté dans le Sénat côté exactement qui la donne. Dis qui vont comprendre parce que moi je ne pas comprendre ni trop bien et qui vont expliquer que des parlementaires que y a des partis politiques on compte que budget prévoit qui dans loi sous parti politique yo dit pas prendre parce que son budget criminel alors que les avoir 1 million goud bali en bas dans parlement cash il prend 1 million goud là et comme ça leur les prendre on va sentir la grande instinct de démagogie là dedans et normalement et pas parti politique yo yo même parfois yo pas intégré les parlementaires directement dans la gestion parti là. Et parfois so, ça qu'on problème qu'on pose mais il gain des sénateurs tout à travers le Sénat et comme sénateur gain des bagages gain des prérogatives qui viennent au dedans immédiatement budget à voter que tout est voté que pas voté c'est le Sénat dans le Sénat vote le quel que soit si gon vote qui fait 15 sénateurs voté 4 pas voté mais Sénat voté oui mais depuis budget a voté tout le, 1% pour les partis politiques eh mais c'est ça oui mais qui j'en nèg fait ou dans parlement ou prend pour là dans parlement et nèg qui n'est pas politique ou pas lui rien rien ou dit quoi parti politique on gars ou prend alors que là ou dans parlement ou prend alors qu'il loi prévoit pour parlement il prévoit tout pour parti politique yo. Ou prend dans parlement comme vous parlez l'autre nèg rien rien ou dit nous pas prendre ça parti politique là. Qui ont fait choisir gain ou nous prend gain ou nous pas prend. Et est-ce que parce que vous voulez manger pour quoi ou gain nous pas voulez manger ou dit nous ça pas besoin là-dedans. Bon, ça dépend de comment vous comprenez parce que normalement au Sénat de la République, si gain des chèques qui viennent sur un sénateur spécifiquement pour sénateur, si gain un budget a gain un montant qui est alloué pour les partis politiques, chèque là viennent sur nos partis politiques. Sur nos partis politiques. Et c'est une loi liée, son loi liée, son loi liée. Son loi liée. Son loi. C'est-à-dire que c'est normal qu'il vient parti politique de droit. Oui. Voilà. Ok, mais femme de merci, oui, Sénat de la Riche. En tout cas, merci Marco. Moi, je suis bien content que nous fassions tirer à l'ISA. Moi, je suis besoin pour un éclaircissement sur la question opérationnalisation budget 2017-2017 que nous avons été.